Et bonjour à tous les amis, c'est Ramusato, j'espère que vous vous portez bien. On est parti aujourd'hui du coup pour continuer notre aventure sur Donkey Kong Country Returns. Donc là on avait fini le monde 3. Donc juste avant, voilà, on avait juste raté une lettre N dans ce niveau-ci. Donc bah, du coup j'étais là récupéré, donc on a accès du coup bien évidemment au monde secret. Donc on les a toutes récupérées. Mais ça on fera ça pour plus tard, vers la fin du jeu je pense. Et là, du coup, on va s'atteler au monde 4 qui est assez court, mais qui est assez dur parce qu'il a beaucoup de wagonnets. Les wagonnets, bon, c'est pas franchement ce que je préfère. Le Rickety Rails, lui, à mon avis, ça va aussi être un niveau avec des wagonnets qui va beaucoup nous embêter. Derrière, il y a forcément quelque chose. J'ai pas vu qu'il y avait Didi en plus. Ah, manqué, ok, c'est comme ça. Donc, on est obligé d'aller là-bas. Ça serait. Ouais, je veux dire, c'est suspect ces cactus. J'ai besoin de ça. Est-ce qu'il y a de là-bas, il y a quelque chose? Oui. Piste puzzle. C'est pas un niveau bonus. Ok, on est parti. Ah, ok, on peut sauter. Maintenant, c'est plus le wagonnet qui s'est saigné. Oh non! J'ai pas vu qu'il bougeait. J'ai pas. Non, puis c'est le checkpoint juste à côté. C'est pas très gentil. Je vais juste là-bas pour prendre Didi. Ah, du coup, la pièce puzzle, est-ce qu'il me l'a compté ou pas? Il l'a compté. Bon, ça pour le début, ça va. Voilà, forcément, il bouge, on va s'y attendre. Parfait. Il y a quelque chose en dessous. Ouais, il y avait un niveau bonus. Normalement avec Didi ça devrait aller. Oh non, j'ai raté. J'ai encore raté. Allez. Ok. Franchement, il nous laisse large le temps pour ces trucs. Hein. On pourrait avoir deux fois moins de temps, je pense. Là-dedans, il y a quoi? Une banane. On va partir sur le wagonnet. Vous avez vu, juste sauter en rythme. C'est pas non plus le truc le plus dur. Juste faire bien attention. Okay. Donc, j'ai envie de dire, les bananes, on s'en fiche complètement. Par contre, les pièces bananes, on s'en fiche pas. Lettre N, on l'a. Par contre, il faut juste pas que je rate la lettre G. Oula. C'est bizarre quand ça part de chaque côté. C'est un truc en dessous. Il y a un tonneau, on l'a vu. Ok, je l'ai vu. Je trouvais ça bizarre, je te manquais rien. On commence par la droite. Parfait.
sans trop de difficultés, on s'en sort. Est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Encore une pièce. Oh, la pièce là-haut, j'ai... manque combien? On va essayer d'aller la chercher, mais... Ah, bah j'ai raté. Je pensais justement que c'était ça qu'elle allait nous emmener... Parfait. Bon, on a eu toutes les pièces bananes. De toute façon, il me manquait une... Il me manquait une, donc... Parfait. On commence bien, il n'y a pas eu de fail sur ce niveau. En fait, je trouve que limite, c'est plus facile parce qu'on a juste à sauter, on n'a pas à s'embêter avec la direction. Parce que, en fait, on va en rythme avec... avec les wagonies, donc ça va. Bounce away. Niveau 4-3. Ok, déjà à gauche, il y a quelque chose. Rien de l'autre côté. Bientôt me dire en plus, c'est encore des. Je crois que tout ce monde c'est que des wagonnets, je sais plus, mais. Il me semble qu'il y avait un délire comme ça. Ok, là faut s'abaisser. Oh, j'ai oublié. Ok. Là c'était assez permissif. Ok. Ça on l'a aussi. Oh, non. Oh, heureusement j'ai fait un petit saut. Ah. Là on va aussi faire un petit saut. Ok, bananes reviennent. Là je sais où sont les trucs. S'embêter à aller rechercher ça. Oh non, j'ai fait beaucoup trop tôt. Une vie en plus. Bah très franchement, ce genre de niveau, faut pas que j'arrête une seule lettre, quoi, sinon... Je vais tout recommencer. Ok. Là, je voulais me gratter pour les aider. Ça roule là aussi, pas besoin de dire que je suis retourné. Ok, le grand saut. S'il y avait quelque chose. Oh non! Ça va, on a checkpoint. On a checkpoint. On vient de s'affouler. Tout va bien. J'ai mes lettres Kong. Ça aussi, on l'a récupéré. Oh non, c'était celui d'avant. Bon, j'ai le réflexe de sauter, mais j'avais pas, j'ai pas pensé que c'était l'autre qu'il fallait choper. Du coup, là, au niveau des pièces puzzle, on les a eues. Pas à s'embêter à les rechercher. Parfait. On va balancer des trucs. Non, c'était un saut court. Ok, donc c'est deux sauts courts et un saut long. Voilà. Donc là, 1, 2, 3. Parfait. Et donc deux sauts courts juste après.
un solo. Parfait. Ça baisse encore. On l'a eu. Ça c'est facile normalement. Parfait. Là-bas il y a un truc. Pour toi les prendre. Parf. Je sais même pas si je les ai tous tués. Je pense pas en avoir raté une. Hein. Est-ce que ce serait pas le... Ah non, 4 sur 5, moi j'en avais bien raté une. Je me souviens plus trop, mais je l'ai raté une. Ah là là, dommage. J'allais dire, est-ce que ce serait pas le premier niveau depuis très longtemps où on fait du 100%. Mais non, il y en a toujours une. Je sais même plus c'est quoi le boss. Je crois que c'est un boss. Je crois qu'en plus c'est un boss dans un wagonnet, donc. On a la clé. Sortir de là. Ça, j'ai pas trop eu besoin de... utiliser mes pièces pour le moment. Grip and trip. Est-ce qu'on peut s'accrocher ça? Logiquement c'est plutôt qu'on peut s'accrocher. J'ai envie de tenter, ça me paraît suspect ça. C'était bien un truc. Je tente, parce que bon, enfin, j'en rate une, mais je sais pas où elles sont. Donc, je me dis peut-être que. Oh! Ok, c'était un peu trop long. Du coup on l'a chopé, donc c'est rien d'y retourner en haut. Ok, parfait, la vie en plus. La lettre K, on commence. Il y avait ce truc là encore. Il y a un tonneau à un moment. Si je peux récupérer la vie à chaque fois, c'est pas gênant que je meurs du coup. Ça je sais pas comment... Parce que je crois que si je saute, je continue à lancer en fait. Quand une pièce là. Ce monde-ci pour récupérer les... récupérer les pièces de puzzle, c'est clairement pas... J'ai pas envie de... Oh, on revient tout là-bas à chaque fois. Je pense que le checkpoint devait pas être loin en plus. Dommage. Ça va, le début on gère. Pas trop de soucis, ça j'essaierai peut-être plus tard de le chercher. Mais... pour le moment, non. Ok, merde, j'ai oublié ça. Là, faut aller en haut.
Oula, ça me paraît complexe. Parfait. Je vais pas du tout aimer ça. Oh, là, il doit y avoir un truc au bout là. Je sens qu'il y a un truc au bout, ça, pourquoi? Ah non, c'est un solo! C'est un solo, c'est un solo. On sait que tout est là-bas. On a rien vu. Ah, juste pour des pièces en fait, ça je m'en fiche un petit peu. Je m'en fiche un petit peu du coup. Ouais, j'y étais là. J'y étais. Oh l'enfer. 39 vies, je dois quand même y arriver à ce niveau. Quand même. Je sais pas comment je fais pour en bondissant, je sais pas. Logiquement, hein, si jamais je peux rebondir, il me laisse. Je sais pas, c'est bizarre. Il est bizarre ce point d'être. On va la choper, hein, mais elle est bizarre. Ok, bon bah, je... C'est juste moi du coup qui galérait. Oh, là-bas il y avait quelque chose. Oh, c'était une lettre Kong. On va se laisser mourir. C'était la lettre Kong qui était là-haut. Du coup, ça me rassure que du coup, faut pas faire un truc bizarre pour choper la lettre N. C'est juste moi qui était mauvais. Ok, parfait, ça on l'a. Quoi? Mais j'ai sauté bien avant. En plus, il ne sauvegarde pas, donc forcément, je dois tout refaire. Ça, je m'accroche plus parce que voilà, mal au doigt, faut toujours m'accrocher à des trucs. Je suis resté appuyé, allez. Si vraiment j'y arrive pas, j'ai envie de dire. Je le ferai en off parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 1000 ans en fait. Après, ça va, le monde est court, donc je peux prendre mon temps. Là, il reste plus que deux niveaux et après c'est le boss, donc je me dis qu'on vient quand même. Si je dois galérer, autant que je galère avec vous. C'est que là, mon PC, j'avoue que c'est mon PC aussi qui galère. Hein. Alors qu'il n'y a pas de raison qu'il galère comme ça. Non, j'avais oublié, J'ai tellement focus sur le reste que... Allez, on se concentre. Il y a juste quelque chose à faire.
pas dur en plus, c'est ça le pire, c'est même pas dur. Hein. Juste moi qui galère. Là, n'oublie pas, il y a le piaf. J'ai raté. J'ai raté le grand saut. Il est vraiment pas... Il est pas dur en soi, mais il est complexe ce niveau. Il est complexe. En fait, c'est la moindre erreur et tu perds tout, en fait. Non. S'il te plaît. Ah, mais c'est ma touche qui est bloquée. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Force de spam. Je l'ai dit, c'est niveau faut s'accrocher parce que du coup, c'est énervant de toujours rester appuyé sur la même touche. Ok, ça on l'a. Mais pourquoi il veut pas sauter? C'est étrange, pourtant là j'ai fait un bon saut. J'étais bien resté appuyé et tout. C'est étrange. Très très étrange. T'accroche, là tu tombes ici, tu fais un grand saut, un autre grand saut, ici tu plantes pas, parfait. C'est parce qu'en fait tu regardes pas quand est-ce que je suis au bout. Là j'étais bien au bout, parfait. Je m'en fous de chercher qui a le bonus. Ok, bon, les pièces de puzzle, par contre, on en a raté plein, mais au moins, j'ai toutes les trucs Kong. J'aurais pas à refaire ce niveau. Mais en tout cas, j'ai bien bien galéré. Mais en fait, à la fin, pour la lettre G, je sautais au moment où je pensais pouvoir l'atteindre, au lieu d'attendre d'être bien au bout des rails, en fait. Être au bout des rails pour vraiment pouvoir faire un saut très très long. Donc, encore deux niveaux, même pas à la moitié de la vidéo, donc... Tranquille, on est là. Je vais pouvoir prendre mon temps. Niveau bonus. C'est un petit peu dommage qu'il a toujours le niveau bonus au tout début, pratiquement. Parce que du coup, on s'y attend en force. Première pièce de puzzle récupérée. Le niveau commence bien. On va voir si ça se termine bien aussi. Oh non, pas ça. Je viens de spam ma touche pour m'agripper. Et là, il me demande de spam ma touche pour voler. Ah, ok, une pièce de puzzle. Mais moi, je pense que c'est juste ça, juste qu'il faut que je récupère des... Plus que je récupère des bananes dans un certain ordre. Comme ça je peux avoir une pièce de puzzle. Oh, j'ai resté appuyé trop longtemps. Dommage. Thank you.
Ouais, en vrai, ça va une bonne vie à chaque fois, donc... en soi, bon... Ouais, c'est chiant de retry, mais... Oula, lui, j'ai fait me les prendre. Il reste bien au centre. On vole un peu plus haut, on redescend. Être haut, qui récupère le checkpoint. Non! J'ai voulu m'arrêter au checkpoint. Oh là là, qu'est-ce que je suis nul. J'avais oublié, du coup je pensais que je pouvais m'arrêter, faire une petite pause. Mais non. Attends, je sais où sont les LED, je sais où tout est. Logiquement. Je ne rate rien. La vie qui est là. Voilà, comme ça on ne prend pas de vie. Le souci de genre de niveau, c'est que ça va à l'endurance. En fait, plus je reste de temps là-dedans, et moins je suis bon pour les faire. Parce que du coup, bah, mon dos, j'ai de plus en plus de mal à rester appuyé. La lettre O qui est quelque part là, pas très loin. Et là, on s'arrête pas. C'est pas un arrêt. Ah, je pense que c'était une pièce puzzle là. Il y a une chance qu'il y ait une pièce puzzle là avec les bananes. C'est une fois en bas. Oh non, j'ai oublié de regarder mon truc. On va essayer d'avoir la pièce puzzle parce que je pense qu'il y en a une là avec les bananes si je les chope tous. On va essayer de la choper. Ok, c'était bien ça. En haut, en bas, en haut. En bas. Ok, let's go. Lettre N qui est là. Oh là là là, ça c'est très dur. Ok, on a réussi. Il y a sûrement une pièce puzzle pas loin. 3 sur 5, elle est sûrement là-dedans. J'en ai juste raté une, hein. Bon, seulement encore des bananes. Hein. Des bananes que j'aurais dû choper en route. Bon, ce niveau-là un peu plus facile, j'ai envie de dire. Enfin, pas facile. J'ai mal au doigt maintenant. J'ai mon doigt qui est tout rouge. Ok. Là-bas, il y a encore un dernier niveau. J'ai encore 37 vies. J'aimerais bien d'avoir plus de 40, ça serait cool. Mais... à gauche, est-ce qu'il y a des choses? Il n'y a rien. Oh, c'est rare qu'il y ait rien à gauche. Encore des wagonnets, je suppose. Ah non. Ok. Oh bah si, il y avait... juste récupérer les bananes. Hein. Parfait. 99 bananes, plus qu'une, on récupère une vie. Est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Oh, je me rappelle de ce truc. Bon, en soi, les souffles sont pas... alors, vu qu'on les voit arriver, en fait, au final, ça va. C'est loin d'être le niveau le plus dur. En fait, faut juste pas stresser sur le... sur la grande chauve-souris, parce qu'en fait, elle pourra pas nous faire trop de mal. Enfin, si c'est sceptique, donc forcément. Même si on a. Lui m'a fait une feinte. Lui m'a fait la feinte. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait un checkpoint juste avant, parce que.
parfait. Donc, on va vers les bas, du coup. On va vers le haut. Eux, ils font des feintes. Eux, ils font pas de feintes, par contre. Vers les bas. Ouais, c'est tellement contradictoire de voir un ami en bas et derrière eux. Oula, j'ai frôlé le truc. On est bientôt à la fin, on est bientôt à la fin. J'ai eu des bananes. Ok, checkpoint, ça c'est cool. Checkpoint était le bienvenu. Okay, je chope la pièce de puzzle, au moins on n'aura pas à aller la chercher. Bon, sur le jeu, il faut que j'arrête la chauve-souris, voir ce qu'elle fait. Je regarde ce que la chauve-souris fait. Oh mais non, je me fais toujours avoir. J'ai l'impression qu'elle suit un pattern, mais c'est très dur de le... C'est dur de regarder devant soi et en même temps de regarder derrière, monter et descendre. C'est dur ce... Le niveau est très dur. Je sais pas si je dois me mettre en bas. Je sais pas si c'est dur le plus souvent en bas ou en haut. Je tire en haut. Plus que je reste en mouvement, j'ai l'impression. Et plus que je reste en mouvement. En fait, j'ai regardé comment il mourait, en fait. J'ai juste voir comment il mourait. Bon, allez, là, c'est bon, on a compris comment on se fait faire. C'est la fatigue. Allez. C'est l'avant-dernier niveau, après c'est mini, après c'est le boss, et on va terminer. Avec ce monde détestable. Du coup, si j'en vois pas beaucoup, c'est totalement normal. Je pensais qu'il allait commencer par tirer au milieu, mais non. On va rester en bas. On va monter dès qu'on va le voir. Ouais, on s'en fout. Ouh là 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 là, j'ai fait redescendre par réflexe. Et merci. Bah y'a rien. Oh, je me trompe tout le temps. En fait, j'ai l'impression l'impression que le basso est lent quand il saute, mais pas du tout. Mais juste rater une pièce. Et sinon pour le reste, c'est bon. Le reste c'est bon, il est bientôt 20h chez moi là, donc ce serait cool que je sois là pour... En 5 minutes c'est 20h, on a le niveau bonus, c'est cool, on n'aura pas à refaire ces niveaux là. Le chien qui aboie. The Mole Train, donc ça c'est un boss avec un train. Il y a peut-être un niveau là, je sais pas c'est quoi là. Il n'y a rien. Ok, faut un dodge du coup. Bon, avec 10 évidemment ça devrait aller. Lance la baisse. J'avais oublié qu'on pouvait se dé... Enfin j'ai... Faut pas qu'on se déplace, faut pas que je touche là-dessus des déplacements. Je pensais justement que j'étais bloqué, je pensais que j'étais bloqué dans le truc. Mais non, je ne suis pas bloqué, je peux tomber comme une crotte. Le plus de déplacement, on touche pas. Bah si, pour s'abaisser, faut que je la touche. J'ai carrément levé ma main, mais faut juste que je me baisse.
chute. Quelle phase horrible, c'est ça. Je pensais qu'il s'attaque le deuxième, mais non. Allez, on se concentre. Le truc, c'est que là, en fait, bon, j'enchaîne l'épisode 3 et l'épisode 4. Du coup, là, je viens de finir le monde 3. Je commence à fatiguer un peu. En plus, pour ceux qui étaient là, j'ai aussi fait des lives tout à l'heure. Donc là, je pense que juste après ça, on va arrêter de jouer. Parce que là, je commence à fatiguer, du coup. J'ai peur que moi j'ai essayé de le prendre. Mince. Il y avait un cœur. Oh non, le PC c'est pas moi. Je te renvoie. Ce serait pas bientôt la fin. Non, il l'a eu. Ok, parfait, le cœur. Horrible. Autant les autres étaient juste durs, autant lui, il est éreintant, ce boss. Parce qu'il est long, et il a des phases dures où tu peux te faire one shot si tu joues mal. Et là-bas, la 110, ça va être complexe. Hein. 110, ça va être trop dur. Ok. Là, je vais pas mourir comme ça. Non, par pitié. Oh, j'étais tellement concentré sur la fin. Quand j'avais plus qu'un cœur là. Ah, ce boss, il était. Il était chaud. Je vais retenir à l'autre ce boss. Parfait. Et ben. Boss compliqué, mais au moins, ça me fait un petit peu de challenge, c'est cool. Je dis pas non.
Parfait, donc là on arrive du coup au niveau de la forêt. Du coup au niveau de la forêt. Pas mal de niveaux, plus que dans l'autre. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous voulez en voir plus, et à voir aussi le reste de mon contenu sur ma chaîne, si ça vous intéresse. Puis moi je vous remercie du coup de m'avoir suivi pour ce 4ème épisode qui a été assez éreintant avec tous ces wagonnets et tout ce stress de se faire one shot. Et là on va pas tout au niveau classique, donc ça va être très cool. Et puis voilà, du coup je vous souhaite une bonne soirée, moi je vais du coup aller me reposer, et puis je vous dis du coup à une prochaine fois.